Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. Le débat est très houleux au dialogue au sujet du processus électoral en cours en RDC. L'opposition a largement chargé la majorité au pouvoir, l'accusant d'avoir retardé les choses. Mais le co-modérateur de la majorité, Alexis Thambwe Mwamba, a dit qu'il faut plutôt proposer des solutions pour avancer. Éric Izami. Aux côtés des experts de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, et ceux des Nations unies, lors de l'exposé du président de la CENI au dialogue mardi 6 septembre 2016, Corneille Nangaa est revenu sur les trois scénarios. Trois options émergent du lot. Recourir au fichier électoral de 2011 pour respecter le délai constitutionnel, auquel cas il y aura nécessité d'un accord politique entre acteurs. Deuxièmement, procéder à la révision partielle du fichier électoral, c'est-à-dire enrôler uniquement les nouveaux majeurs, et la troisième option, de recréer un nouveau fichier par l'enrôlement des électeurs RD congolais débutés depuis le 31 juillet 2016 au nord Ubangi, ce qui est déjà fait par la CENI. On peut discuter sur des options et la vérité est que nous avons déjà commencé l'enrôlement et l'identification des électeurs au niveau du nord Ubangi. Donc aujourd'hui, c'est un processus que la CENI poursuit normalement. Et les dernières statistiques indiquent que nous avons déjà enrôlé plus ou moins 230 000 électeurs. Est-ce que allons-nous encore revenir sur l'enrôlement et dire que non, on arrête l'enrôlement et faire autre chose? Ça, ce sont des options qui ne dépendent pas de nous. Ça sera des questions qui sont en discussion de politique. Nous, on est ici comme experts. Quel est le jugement de l'opposition à ce sujet? La présentation de tout à l'heure vient de nous donner les indications nécessaires pour savoir où sommes-nous et où nous allons. La deuxième question, donc la plus importante, mais la sous-jacente à la première, est celle de savoir, si on est d'accord sur cela, quelle est la séquence des élections. Une réalité n'est pas à oublier. Je répète encore une fois, nous portons sur nous la responsabilité de tout le monde. Nous ne sommes pas venus ici pour boutiquer contre le reste des Congolais. Nous savons ce que veulent, on ne peut pas trancher comme ça sans comprendre pourquoi il n'y a pas eu élection. Bien sûr, nous allons établir des responsabilités. Il y a tergiversation, il y a eu des manœuvres dilatoires qui nous ont causé ces retards. Mais ce n'est pas l'heure du jugement. Maintenant, c'est l'heure de donner des solutions. Nous ne voulons pas qu'il y ait des soulèvements populaires alors que nous pouvons trouver une solution pacifique. Mercredi 7 septembre 2016 aura lieu le débat en plénière pour éventuellement lever l'option à suivre. Après 32 ans de règne sur l'ex-Zaïre, c'est un certain 7 septembre 2016 que le président Mobutu a rendu l'âme à Rabat, au Maroc, loin de son pays natal. Retour sur ce triste événement avec Dom Omad. 7 septembre 1997, 7 septembre 2016, 19 ans déjà, qu'est s'envolé l'aigle de Kaolé pour l'au-delà. En effet, cela faisait des années que Mobutu était gravement malade. Un cancer de la prostate, diagnostiqué depuis 1989, rongeait peu à peu les maréchals. Et les Zaïre, des dernières années de son règne, est à l'image de sa santé. Le pays est enlisé dans un processus de démocratisation depuis 7 ans et en proie à une rébellion. L'Alliance des Forces démocratiques pour la libération du Congo, AFDEL, de Laurent Désiré Kabila, qui va causer sa chute. Celui qui s'est fait surnommer Mobutu Sese Seko ne survivra pas de son éviction. 6 jours après sa fuite du Zaïre, rébaptisé depuis leur RDC, l'homme rend l'âme à Rabat, au Maroc. Son corps est inhumé dans les carrés européens du cimetière de Rabat, en présence de sa famille et de ses plus proches qui l'ont suivi dans son exil. Aujourd'hui, la tombe de l'ancien homme fort du Zaïre jouxte les sépultures anonymes des compatriotes migrants morts noyés dans la Méditerranée. Et bien que la question du rapatriement en terre congolaise, de la dépouille du chantre, de la zaïrianisation soit régulièrement abordée, pour l'heure, aucune disposition concrète ne laisse entrevoir une inhumation de Mobutu dans son pays natal. Les effectifs de la police renforcés dans les territoires de Beni au nord Kivu pour la sécurisation des populations civiles en dépit de l'activisme des rebelles ADF. 116 policiers ont été déployés ce mercredi dans les localités de Disha, Maïmoya et Eringeti dans l'est de la ville de Beni. 300 autres policiers sont attendus dans 4 autres localités de ce territoire pour la deuxième phase de ce déploiement. Et avant leur déploiement sur terrain ce mercredi,
Le commissaire principal de la police au Nord Kivu les a appelés à la consolidation de la paix dans cette région. Brigitte Makuta et Pascal Moulégua. Le déploiement d'unités renforcées en termes de boucliers, robots, gaz lacrymogènes et autres engins pour la première phase du déploiement des 116 policiers venus de Goma, mixés à ceux des garnisons de Beni, a été effectif ce mercredi dans ces territoires de la province du Nord Kivu. Avant les 10 déploiements sur l'axe Eringeti, Oicha et Maimoya, le commissaire provincial de la police au Nord Kivu a, au cours d'une parade, appelé les hommes de troupes à la discipline par laquelle passera l'exécution de la noble tâche assignée à la police, celle de maintien de l'ordre public et la sécurisation des populations civiles et de leurs biens. Enfin, de répondre aux défis sécuritaires dans cette région en proie aux attaques des rebelles ADF depuis octobre 2014, le général Vital Oumi Awashango a prôné la consolidation du mariage police et population civile. On avait annoncé qu'il y aurait renforcement des effectifs de Beni par des éléments qui devraient venir de Goma. Et aujourd'hui, on est venu pour présenter justement, pour vous montrer que réellement, ce qu'on a dit, ce n'était pas un slogan. Mais par contre, c'était une réalité. Et on vous a montré les unités qui sont venues de Goma, qui sont mises à la disposition et de Butembo et de Ouidja. Si de noter que la seconde phase de cette opération portera sur le déploiement de 300 policiers venus de la ville de Goma et Kinshasa, sur l'axe Kamango, Kasindi, Mangina et Butembo dans les territoires de Lubero. Le général de brigade David Rougaï, commandant du secteur opérationnel de l'Ituri, a présenté à la presse un deuxième leader de FRPI, Front de Résistance Patriotique de l'Ituri. Ses propos ont été recueillis par Trésor Muyunga et Sylvie Fortuné-Boula. Le monsieur que vous voyez ici à côté de vous, il s'appelle Zawadi, il est commandant 3e brigade FRPI, commandant 3e brigade. Il est parmi les leaders comme Cobra Matata. On ne l'avait pas attaché quelque part là pour aller le prendre comme ça. Nous avons fait, il y a eu des affrontements et on est tombé sur lui. On l'avait d'abord détecté, notre service de renseignement l'avait détecté là où il s'est trouvé. Et nos éléments sont allés tout droit sur lui et nous l'ont capturé vivant. D'un côté, il y a eu des morts, chez nous, il y a eu un blessé. C'est Anyaigo. S'il faut préciser le nombre de leaders, nous avons Cobra Matata, que nous avons déjà neutralisé, il est entre nos mains. Zawadi, il est entre nos mains aujourd'hui. Il reste Androse Joël. Il reste Mbab qui a remplacé Cobra Matata, qui est encore là. Il y a Androse Joël. Androse Joël, il est le commandant 2e brigade. Il y a Rolax, qui est le commandant 1er brigade. Ils sont encore là. Donc, parmi les leaders, nous venons de neutraliser déjà 2. Le dialogue doit être inclusif. C'est aussi l'avis de la MONUSCO. Le porte-parole l'a encore rappelé ce mercredi au cours du point de presse hebdomadaire des Nations Unies au quartier général de la MONUSCO. Un invité des marques y a pris part, c'est le représentant de l'UNESCO en RDC. Il a salué la rentrée scolaire 2016-2017 en RDC et il a parlé de la journée mondiale de l'alphabétisation. Sylvie Fortuné-Mboula et Pascal Moulégua. Cette conférence de presse a été marquée par la présence du représentant de l'UNESCO en RDC, Abdourahmane Diallo. Il était venu informer la presse de la journée internationale de l'alphabétisation qui est célébrée le 8 septembre de chaque année. La RDC est comptée parmi les pays au monde qui regorge plusieurs analphabètes. L'alphabétisation fait partie de l'objectif de développement durable 4 qui vise à assurer l'accès de tous à une éducation de qualité sur un pied d'égalité et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie. À la même occasion, le représentant de l'UNESCO en RDC s'est réjoui de la rentrée scolaire de classe en
primaire et en secondaire sur toute l'étendue de la RDC. Il a rendu un hommage mérité à tous les acteurs du système éducationnel du pays, en l'occurrence les parents, les enseignants et les autorités du pays qui travaillent à l'unisson pour garantir aux enfants de la RDC le droit inaliénable d'aller à l'école dans la paix et la sécurité. Il a aussi rassuré les autorités du pays et le peuple congolais du soutien de l'UNESCO aux efforts entrepris pour l'amélioration du système éducatif congolais. D'autre part, les responsables onusiens ont salué les débuts de travaux du dialogue national tout en invitant les partis politiques de l'opposition qui ne sont pas encore venus à rejoindre les bateaux. La rentrée scolaire pour cette édition 2016-2017 est intervenue le lundi 5 septembre 2016. Aujourd'hui, deux jours après, l'afflux d'élèves est loin d'être perceptible dans bon nombre d'écoles privées. Notre équipe s'est rendue dans certaines écoles privées de la capitale et vous propose ce reportage signé Popol Ziakwaou et Patrick Borel-Mouketi. Depuis une vingtaine d'années, les Congolais assistent à des rentrées scolaires timides. La première semaine est généralement laborieuse pour les parents qui doivent faire face aux exigences scolaires de leurs enfants avec des moyens débordants. Le cas du complexe scolaire dont Alberion à Salongo dans la commune de Lemba et de l'école d'application de l'ISPT dans la commune de la Gombe. Ce qui est politique n'engage pas les élèves. Parce qu'aujourd'hui, si nous négligeons cette génération, que sera le Congo demain? Au complexe scolaire La Marguerite, situé au quartier Sebo, dans la commune de Mongafula, la situation est tout autre. L'effectif d'élèves, deux jours après la rentrée scolaire, est loin supérieur à celui des deux écoles précédentes. Un nouveau-né qui a l'ambition de relever le niveau de la jeunesse congolaise à travers un enseignement de qualité. La rentrée était timide. Nous encourageons les parents à nous envoyer les enfants. Parce que ici chez nous à Marguerite, les cours ont commencé depuis le 5 septembre 2016. Et pour les enfants qui traînent encore à la maison, ils seront en retard et le retard, on ne saura pas comment le rattraper. L'année scolaire compte 122 jours et l'on n'est qu'au troisième jour. Aux parents donc de se dépêcher pour régulariser la situation scolaire de leurs enfants, ce qui permettra à ces derniers de se mettre en ordre de bataille. Construit sur une superficie de 25 534 mètres carrés et inauguré le 20 juillet 2015 par le chef de l'État, l'immeuble du gouvernement totalise un an de mise en service. C'est le 7 septembre 2015 que le cabinet des PT-INTIC a pris en premier possession de ses bureaux et a ainsi inauguré les activités du gouvernement. En retour sur cet anniversaire avec Polydor Gaziami. Le 20 juillet 2015, s'est déroulée la cérémonie. Un an depuis sa mise en service, l'immeuble du gouvernement a été érigé pour trois objectifs. Doter les cabinets ministériels de l'environnement de travail assaini et répondant aux standards internationaux. Deuxièmement, réaliser des économies pour le trésor public par l'élimination des dépenses de location des bureaux et ou des salles de conférences, de manière à consacrer les ressources de l'État à des actions de développement. Troisièmement, doter le gouvernement de la République de moyens d'assurer un aspect de sa souveraineté en exerçant ses activités dans ses propres installations. Selon son administrateur et chef de la cellule de gestion de l'immeuble du gouvernement, 1000 personnes y travaillent et 1000 visiteurs y sont passés en un an de mise en service. Toutes ces salles sont équipées en matériel ultramoderne, des sonorisations et des projections, et sont gratuitement mises à la disposition des instances gouvernementales. L'immeuble du gouvernement a son site web présenté par le chef de la sous-cellule INTIC ce 7 septembre 2016. Le cabinet du vice-premier ministre des PT-INTIC a été le premier à être installé dans cet immeuble. Le témoignage de son directeur de cabinet est éloquent. Que l'immeuble nous lave de la honte. D'autres ont dit l'immeuble permet effectivement de travailler. L'immeuble du gouvernement compte en son sein 8 ministères, plusieurs salles de réunion,
de conférences et de formations. Dans le cadre de la journée internationale de lutte contre l'hépatite, l'ONG Asso GEDEC, avec l'appui de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, a organisé une conférence débat sur les stratégies de lutte contre ces fléaux qui tuent près de 960 000 personnes par an. Dans mon mat, Jusen Belbele. D'après une enquête de l'ONG Asso GEDEC, le Congolais, Kinoa en particulier, n'ont pas une large connaissance sur les hépatites. Nos communautés étaient en train de mourir et personne n'était au courant. Partant même de notre expérience, l'enquête que nous avons menée, juste avec un échantillon de 100 jeunes, nous a fait montrer que sur 100, il n'y avait que 10% de ces jeunes qui avaient déjà été au moins entendus parler des hépatites, mais ils ne connaissent même pas quel est leur mode de contamination. D'où l'organisation de cette conférence débat. Tous les pays membres ont adopté la stratégie mondiale de lutte contre les hépatites allant de l'année 2016 à 2021. Et cette stratégie met sur pied les bases nécessaires qui vont nous amener vers l'élimination des maladies en 2030. C'est dans ce cadre qu'on s'est dit qu'il faut commencer à voir au niveau des pays ce qu'il faut faire comme effort pour pouvoir lancer, matérialiser la lutte contre les hépatites, qu'elle devienne une réalité. Les hépatites B et C constituent de nos jours une menace réelle pour la santé publique, au même titre que le VIH-Sida ou le paludisme. Lorsqu'une personne est infectée par le virus de l'hépatite, l'évolution dans la majorité des cas est aiguë. 90% des personnes qui développent la forme est aiguë. Certains peuvent développer les signes. Dans la majorité des cas, ils éliminent les virus dans les 6 mois. Et les signes en question ne durent que quelques semaines. Il n'y a pas tellement de différence entre le VIH et l'hépatite B. C'est pratiquement le même mode de transmission. Selon les statistiques, 3 700 000 personnes dans le monde seraient porteuses de l'hépatite B. Et la maladie tue environ 960 000 personnes chaque année. Le moment est donc venu de conjuguer les efforts pour lutter contre ces fléaux. Vous n'avez pas eu le temps de faire un tour ce matin à votre kiosque à journaux. Pas de panique. Séance de rattrapage avec Domomat qui nous propose la revue de presse. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette revue de presse. À sa une, la référence plus titre, intervention de la CENI au dialogue, Corneille Nangaa propose 3 options aux participants. Il s'agit en primeur de la validation de l'actuel fichier électoral jugé corrompu, infecté et non adapté. À ce sujet, Corneille Nangaa a laissé entendre que cette option présente l'avantage du respect de la Constitution, mais renferme néanmoins des imperfections. Il a ensuite fait mention de la révision partielle du fichier électoral en y incorporant de nouveaux électeurs, notamment les nouveaux majeurs ainsi que les Congolais de l'étranger. En dernier lieu, Corneille Nangaa a présenté l'option de la refonte totale du fichier électoral. À en croire la prospérité, Corneille Nangaa aurait exprimé ses préférences pour la refonte du fichier électoral dont les opérations d'enrôlement des électeurs prendraient 16 mois et un jour. Selon lui, c'est la seule possibilité d'avoir des listes électorales fiables. Un expert électoral travaillant pour le compte d'une ONG américaine, invité par la CENI pour la circonstance, a appuyé le choix de Corneille Nangaa. Mais les deux personnages ne font pas cause commune sur la durée de l'enrôlement. Renchérit la tempête des tropiques. C'est pour l'expert de l'ONU, Henri Agnero. L'enrôlement peut durer 10 mois et demi à dater du 30 juillet. Il n'en est rien pour les successeurs du défunt Abbé président qui table sur 16 mois et plus d'un jour en prenant comme point de départ le mois de février dernier. Corneille Nangaa a proposé ces options pour l'organisation des élections. Il laisse aux politiques de faire le choix. Pour Vital Kamerhe, l'heure n'est pas au jugement, mais à des solutions. Nous allons établir des responsabilités, a-t-il dit. Cependant, ce n'est pas l'heure du jugement, mais des solutions. Nous ne voulons pas qu'il y ait des soulèvements populaires, alors qu'on peut trouver des solutions pacifiques. L'article 64 ne peut venir qu'en dernier recours. Propos relayés par Géopolis Hebdo. Les plus durs commencent donc à la cité de l'Union africaine, s'exclame Forum de ZAS. Les participants sont appelés à débattre pour déterminer les délais que doit prendre l'opération de révision du fichier électoral. Dans l'entretemps, les évêques menacent. Seul un dialogue, ont-ils dit, qui respecte la Constitution, en particulier
dans ses articles verrouillés et entré au mandat présidentiel et à l'alternance démocratique au pouvoir, est capable de ramener la paix, relève la CENCO dans un communiqué diffusé hier. Fin de cette revue de presse, merci de l'avoir suivi et à demain. Fin de cette session d'information au nom de Patrick Borel Mukendi qui en était le chef d'édition et au mien propre, je vous dis un grand merci de nous avoir suivis. Merci particulier à vous tous qui nous avez suivis à Paris, en France.